Je n'en suis pas sûr. Draco, regarde bien. Parce que si c'est nous qui livrons Potter au Seigneur des Ténèbres, tout sera alors pardonné, tout redeviendra comme avant, tu comprends? J'espère qu'on va quand même pas oublier qui l'a attrapé, Monsieur Malfoy. Tu oses me parler ainsi dans ma propre maison? Ne sois pas timide, mon chou. Viens près de lui. Bon, s'il n'est pas ce que nous pensons, Drago, et qu'on le fait venir, il nous tuera tous. Nous devons être absolument sûrs. Qu'est-ce qu'il a à son visage? Oui, qu'est-ce qu'il a à son visage? On l'a trouvé comme ça. Il a dû attraper quelque chose dans la forêt. Oh, elle a jeté un maléfice cuisant. C'est toi, chérie? Donnez-moi sa baguette. Nous verrons quel est son dernier sort. Je t'ai... Qu'est-ce que c'est que ça? D'où tu sors ça, toi? Du sac de la fille quand on l'a fouillé. C'est à moi, maintenant. Vous êtes folle! Cici! Enferme les garçons dans la cave! Je vais avoir une petite conversation avec celle-ci. Entre filles! Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas laisser Hermione seule avec elle! Ron? Harry? Luna? Cette épée est dans ma chambre forte de Gringotts. Comment l'as-tu eue? Qu'est-ce que tes amis et toi avaient pris d'autre? Rien. Non. Je ne peux pas. Il faut faire quelque chose! Non, il n'y a pas moyen de sortir. Nous avons tout tenté. Il y a des sortilèges. Tu saignes, Harry. C'est étrange de garder ça dans sa chaussette. Aidez-nous. Relâchez-la. Tais-toi, recule. Toi, le gobelin, viens avec moi. Dobby? Qu'est-ce que tu fais là? Dobby est venu au secours de Harry Potter, bien sûr. Dobby sera toujours là pour Harry Potter. Tu peux transplaner dans et hors de cette cave. Tu pourrais nous prendre avec toi? Bien sûr, Dobby est un elfe. Ça me va. Bien, Dobby, tu vas emmener Luna et Monsieur Ollivander à la chaumière au coquillage à Tinworth. Aie confiance. Quand vous voudrez, monsieur. Monsieur? Oh, Dobby l'aime beaucoup. Retrouvez-moi en haut de l'escalier dans 10 secondes. Qui veut sa baguette? Je te pose la question pour la dernière fois. Conseille de bien réfléchir avant de répondre. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Pourquoi n'as-tu pas fait ton travail? Qui est donc dans ma chambre forte? Qui l'a volé? Qui l'a volé? Parle! La dernière fois que j'ai ouvert votre chambre forte, l'épée y était. Oh, eh bien...
bien, peut-être qu'elle est sortie toute seule alors. Il n'y a pas d'endroit plus sûr que Gringotts. Menteur! Estime-toi heureux, gobelin. On ne pourra pas en dire autant d'elle. C'est ce qu'on va voir. Expelliarmus! Stupide! Lâchez vos baguettes! J'ai dit lâchez-les! Drago, ramasse-les. Allez! Tiens, tiens, tiens. Regarde ce que nous avons là. Oh, c'est Harry Potter. Il est tout beau, tout guilleret, tout neuf. Et pile à l'heure pour le Seigneur des Ténèbres. Appelle-le. Appelle-le. Jamais voulu tuer. Dobby voulait seulement mutiler ou blesser très gravement. Comment oses-tu désarmer une sorcière? Comment oses-tu défier tes maîtres? Dobby n'a pas de maître. Dobby est un elfe libre et Dobby est venu sauver Harry Potter et ses amis.